Cette vidéo est tirée d'un stream sur Twitch. Toutes les vidéos de Borderlands 3 devraient être tirées d'un stream Twitch. Aussi, je vous conseille de vous abonner à la chaîne Twitch en suivant le lien dans la description. Merci à ceux qui étaient présents dans ces streams et merci d'avance à ceux qui viendront au prochain. Yoden organise une course de temps en temps. Je veux que tu places des explosifs sur leurs feux d'artifice le long du circuit. Quand ils les allumeront, ils s'en prendront plein la tronche. Oui, monsieur. Oh non! Hé, hey, qu'est-ce que tu fabriques? Tu vérifies tous les feux d'artifice? Ah, c'est cool, t'inquiète, mais je l'avais déjà fait. Mais bon, merci. C'est chiant, et en plus, ils sont sympas. La dynamite est prête. Va là où les Odunks préparent leurs effets pyrotechniques. Tu seras aux premières loges pour regarder le massacre. Il y avait un mec sympa, là. Qu'est-ce que t'en penses, Wilgo? Tu viens me souhaiter bonne chance pour allumer les feux d'artifice? Ah la vache, je les vois déjà. C'est l'heure de la course, Léo, dans 4, 3, 2, 1, brûlez la gamme! La course commence. Fais péter la dynamite quand les voitures arrivent dessus. Les pilotes sont au niveau du rond-point! J'ai du mal à en croire mes yeux! J'ai raté? Ah, c'était sur le pont! Oh, t'as pour moi! Je croyais que j'allais faire péter le pont, moi, en fait. Hein? Pas de vidéo d'une heure. Bah non, mais je pose la question à la base. Alors je trouve un truc. Voilà que je trouve un truc. Merci. Explosion de là où j'étais. Reviens au garage et on verra si on peut aider les Odunks à se venger pour les dégâts sur leur piste. Transport de course. Transport personnel très précieux là. Éloignez-vous ou je vous explose. Ellie, t'aurais pu être dehors. Hein. Ah merde, le cheveu est de retour. Cette marée rouge entre les deux clans, tu seras la dernière personne vivante, un paquet de dollars en poche. Yeah! Message écho, diffusé sur toute la planète, on recherche des soldats forts et loyaux qui posent pas trop de questions. Venez aider la famille Odunk à botter le cul des Afford! Salut! Pas vu que tu nous aides contre ces crevards de Zafford. Tu vas vider leur cache d'argent pour nous. Dans les Highlands, on a laissé un message avec tous les détails dans un endroit à nous. Va le récupérer. Oui, monsieur, à vos ordres, monsieur. Poussez-vous de mon chemin. Ouh, un shotgun bleu. Cache secrète dans la région, mais on sait pas trop où. On
on voit leur trésorier quitter le bar des Arfords de temps en temps. Po te demande de le suivre jusqu'à la cage, puis de tout dévaliser. Mais t'approches pas trop de lui, hein. Le trésorier, c'est pas l'espèce de nain. Localiser le farfadé. Voilà, c'est ça. Il y a un tout petit qu'on a vu tout à l'heure. Je me ferai pas voler, pas encore. À la balle de Grune ! Là, c'est le trésorier. Prends-le en filature jusqu'à la cage, mais pas trop près, hein. Reste à distance. C'est fichu, Odin qui essaie de nous tuer depuis des années. Il répète que ce scooter qui a tué notre Lucky ne fait plus partie de leur famille. Mais nous, on sait la vérité. Pas vrai, petite voix intérieure? Elle est bien bonne, petite voix intérieure. Toujours la réponse. Encore quelques années à faire ce trajet jusqu'à la cache et pas finira par m'aimer. Je suis un bien meilleur fiston que Lucky. Je suis espiègle, plein de réparties, et on ne m'a pas enterré vivant dans une tombe improvisée. Non, c'est pas, la question c'est pas de faire les deux Borderlands en même temps, Raylan Renault. C'est comment je vais faire pour en monter autant, pour monter autant d'heures de tourne, de comment, de stream. Parce que dis-toi que ça prend 2 à 3 fois le temps de la vidéo, quoi. Enfin, ça prend 2 fois le temps du... 2 fois le temps du, comment, du contenu... Nom d'un farfadé, ils en veulent à mon argent. Je sens la chaleur. Putain, il est solide. Sur mon équipement, je dois m'en débarrasser. J'adore. J'adore ce mec. On dit que tu peux ouvrir les caisses maintenant que t'as la clé du trésorier. Pognon. Hop, c'est des bras étaient en supplément. Ouais, il faudrait ça. Il faudrait. Je sais pas comment je vais m'organiser du tout. Parce que là, je me dis, là, en fait, ce qui se passe là au niveau de B2, c'est Borderlands 2, c'est que de l'échauffement, en fait. C'est ni plus ni moins que de l'échauffement pour B3 et j'en chie déjà, quoi. Ah, je trouve. J'en chie. Ah là 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 là. Comment je vais faire? Bah, j'en ai pas. Il y a ces deux là, d'accord. Parfait. Ça, je t'ai dit, il me faudrait des monteurs en fait. Il faudrait que j'ai des gens capables de faire ça. Ça m'aiderait beaucoup. Tu as touché à la cache secrète des Afford, hein? Excellent. J'ai entendu dire qu'ils prévoyaient quelque chose de bien vicelard pour se venger des Odunk. Merci pour ton aide, au fait. Ma mère m'a dit que je survivrais jamais à une guerre totale entre ces abrutis. Peut-être qu'une partie de moi voulait lui donner tort. Bonjour. Bonjour. La façon dont vous avez neutralisé ces robots a convaincu des gens de notre communauté que vous pourriez nous filer un coup de main. En gros. Voulez-vous nous aider? Formidable. Bien. Priorité numéro 1. Non, tu mets un timer à côté de toi. Nous sommes tous en train de mourir d'une grippe cérébrale. Si vous
pouviez vous procurer 3 cargaisons de médicaments, ça nous sauverait la vie et nous pourrions donc vous payer. Notre machine de soins a besoin d'une nouvelle batterie. S'il vous plaît, grimpez à l'échelle du clocher et récupérez la batterie de l'horloge. Ok. Ah, des fois il s'agrippe, des fois il s'agrippe pas. Pardon. Bon sang, y'a l'enfoiré d'abruti qui a escarté le clocher. Comment je vais faire pour savoir l'heure qu'il est, moi, maintenant? Vous avez trouvé la batterie. Branchez-la dans notre machine de soins et achetez des médicaments anti-grippaux, s'il vous plaît. Merci. Mais il nous faut 2 autres cargaisons de médicaments. La prochaine est entre les mains d'un officier de réquisition d'Hyperion qui sillonne les Highlands. Prenez-lui ces médicaments. Sans ses gardes, je suis sûre que le représentant vous fera un bon prix pour ces médicaments. Je vous suggère de les tuer avec courtoisie. Bonjour le temps, bienvenue à l'Autolac nouvelle génération. Avec 47% de... On va changer un petit peu de véhicule. Chasseur de l'art. C'est un chasseur de l'art. Bonjour. Dave le sexiste. Vous êtes bien vacciné? Bonne chance. Splendide. Vous êtes vraiment efficace. Merci. Je vous admire. La dernière. C'est gentil. Arrivé par bateau, mais nous avons perdu tout contact avec lui. Pourriez-vous le retrouver? Le respect est mort, de toute façon, c'est moi qui l'ai tué. Non! Chernier! Prudence! J'ai l'obligation légale de vous prévenir. Vous avez tout récupéré! Bluffant! Pas de Chernier! Bluffant! Vous pourriez distribuer les médicaments à travers la ville. Je le ferai volontiers moi-même, mais Hyperion n'aime pas que nous sortions de nos maisons. Merci beaucoup. T'en prie. Lui au moins il est poli. Premier, il m'a un peu snobé. Ah, toi t'en veux pas? Très bien. Elle se sacrifie pour le reste. Pour Dave, il est... Oh. Nous tâchons de ne pas lui parler. Revenez me voir pour votre fameuse récompense. Si j'en avais 10 comme vous, cette ville fonctionnerait comme sur des roulettes. On a besoin d'un bouclier. Maintenant que nos cervelles ne sont plus au bord de l'implosion. Priorité numéro 2, la révolte. Pour remplacer Hyperion, notre ville aura d'abord besoin d'un bouclier comme celui de Sanctuary contre les bombardements lunaires. Si vous pouviez nous donner des boucliers, je pourrais les décortiquer et nous en construire un plus grand. Des boucliers. Chez moi, on achète sa survie. Ça va booster votre réveil. Faites attention. Vous n'avez qu'à jeter vos boucliers superflus dans la broyeuse. Jeter. Et merde. Voilà, comme ça. Encore quelques boucliers et je bricolerai de quoi nous protéger avec les composants. Je bossais dans l'informatique avant, mais quand l'ancien administrateur d'Overlook est mort, c'est moi qui ai pris les rênes.
Karima, tu peux pas nous bricoler un bouclier électromachin? On ne l'écoute pas. C'est une gonzesse. Mais si la ville a besoin de quelqu'un pour faire un sandwich, alors là... Ok, effectivement, tu l'avais pas oublié. Très bien. Bien joué. On t'appellera. Merci, David, pour ton intervention. Je vous remercie pour l'équipement. Je vais pouvoir construire le bouclier. Prenez la ferraille et amenez-la moi. Oui, madame. Ça va vous sauter à la figure. Je vous conseille de laisser tomber. Merci, Dave, pour ton intervention. Overlook est presque sauvé. Le bouclier d'Overlook est enfin terminé. Ouh. Vous pourriez m'aider à l'essayer? Allez au poste d'Hyperion près d'ici et trouvez le canon à mortier sur l'aire de lancement. Hé, hey, Karima! Tu sais ce qui est encore mieux que d'avoir un bouclier qui marche? C'est de pas être une gonzesse! Sois gentil, Dave. Ferme ta gueule. Alors, je pense que ce genre de structure qu'on voit là, on va les voir assez souvent dans le 3. Bonjour. Ah, vous êtes deux. Qu'est-ce que... Ah oui, c'est toi. Ils sont pas précis, mes gueules, hein. C'est bon. Et de 1. Ça faisait longtemps. Ça va venir, ça va venir. Je vais réussir à ne pas oublier. Ah ! Chier. Quand tu penses que dans le 3, tout ça, ça va être automatisé, tu ouvriras le truc et automatiquement, tu récupéreras les munitions. Ça sera la vie quand même. Bande de naze. Ah bah vous avez roulé en plein dedans aussi, hein. Ok, il va me falloir ça. Et merde. Ploc. Oh la vache, ça part plus loin que prévu. Voilà. J'ai plus de balles, ok, j'avais pas vu. Très bien. Hop là. T'es où pour me... Ah, tu dois être au-dessus. Ah, tu dois être au-dessus.
Ah, forcément. Légère baisse de framerate. J'espère que j'en aurai pas autant dans le prochain jeu. Pour l'instant. Je vais m'occuper de l'autre débile. Ou pas. Apparemment, il est plus en train de me chercher, donc je suis tranquille. Ok, ça, ça fait du bien par où ça passe. Ça, c'est joli. Malheureusement, j'ai mieux. C'est qui cette pompe à Skype qui tripote le canon? Ne faites pas attention à Dev et orientez le canon 45 degrés antibord, 86 degrés postbord. Il faut qu'Overlook reçoive une charge de mortier en pleine face pour tester les boucliers. D'accord. Comme vous voulez. De quoi qui est pas sûr, Raylin? Actionnez le canon. Arima, tu vas pas chialer parce que Jack a jeté ton mari à la broyeuse. Allez, je veux bien venir sous ta couette si tu veux. C'est un peu décalé, ouais. Maintenant la même chose, mais avec le bouclier. Actionnez le canon à nouveau. C'est fait. Ça bah voilà. Peck. Le bouclier fonctionne. Overlook est protégé. Et plus de Dev. Quelle bonne journée. Revenez me voir au plus vite. Quelle bonne journée.